Précédemment, dans le comte de Castelbajac. Comte de Castelbajac, je vous arrête pour le meurtre d'un garde royal. Que ? Le plan a fonctionné à merveille. Désormais, tout le monde pense que le comte de Castelbajac a été arrêté. La route ! Veuillez me suivre. Si personne ne fait taire ce bataillon, je vais le faire moi-même. Je vous provoque en duel ! Voici où nous en sommes. Nos meilleures troupes, enfin, nos troupes, sont positionnées aux portes de Paris. Nous, on est là. Les Anglais arrivent par le nord et ne cessent de gagner du terrain. Si nous ne réagissons pas immédiatement, dans 4 jours tout au plus, nous mangerons de la gelée à la menthe dans toutes les échoppes de Paris. Et dire que ce saltimbanque pense œuvrer pour la France en prévenant de l'arrivée des Anglais. Villemanon, ah, je vais chevalier à la rescousse. Ah, je suis tout puissant, je suis le chevalier de Ravérac. Comment? Ah non, 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 si, non, non, non. Bah, tout le monde. Ah, il suffit. Relève-toi et bats-toi, foutriqué. Pendant ce temps-là, au château du roi. Marie, je croyais vous avoir ordonné de ne plus fredonner cette complainte. Faites exprès ou quoi ? Non, Charles. Si, vous faites exprès ! Mais non. Si. Non. Oh, que si ! Vous avez gagné, Charles. Je me retire. De toute façon, c'est ce que vous faites le mieux ! C'est vrai, quoi. Vous pourrez chanter autre chose. Je sais pas, moi... Charlie VII est un géant. Dans un seul homme, tant de vertus. J'ai pas été loulou. Sont déhanchés nonchalants. Il porte si bien le coiffu. Ah. Agnès. Bien entendu, tout ceci restera entre nous. Hein. Oui, bien sûr, sire. De toute façon, sinon, je vous ferai brûler. Fichez-moi le camp. Oui, oui, sire.
Castelbajac, je suis où tu te caches? Viens pas ici que je t'oxyde, Anne Batté! Ta gueule! Viens par ici, Anne Batté! Maro! Mais pourquoi êtes-vous si méchant? Parce que... Tout va très bien, madame la marquise. Je n'ai pas l'habitude de tuer les dames. Allez-vous-en avant que je change d'avis. Le comte va-t-il mener à bien sa mission? Continuera-t-il à tuer impunément des innocents? Le roi se lancera-t-il dans une carrière de saltimbanque? Vous le saurez en regardant le prochain épisode du comte de Castelbajac! Et du coup, vous l'avez tué quand même? Oui. D'accord.